Mesdames et messieurs, chers confrères, chers amis, le congrès de Bruxelles 2020 vient de s'achever et il restera dans nos mémoires comme la première version virtuelle de notre congrès annuel, avec, semble-t-il, un succès d'audience, puisque 1500 connexions quotidiennes ont été enregistrées et dans ce format, il a été possible de retourner voir un certain nombre de présentations. À ce stade, il me faut encore une fois remercier les artisans de ce congrès et vous remercier tous pour votre implication. L'ASFD et son conseil scientifique, malgré le contexte défavorable, a attribué 40 bourses dans un montant total supérieur à celui de 2019. Il apparaît maintenant désormais important de se préparer pour notre nouveau congrès annuel Strasbourg 2021. Ce congrès est attendu par tous pour se mettre à l'unisson, pour revoir un peu les actualités dans notre spécialité, discuter les nouvelles organisations de soins qui se mettent en place, et tout simplement maintenir des liens amicaux entre nous à travers cette société qui est la SFD. Malheureusement, la pandémie à Covid-19 est toujours présente. Nous n'avons pas tellement de visibilité sur les conditions d'organisation et surtout de mobilité de tous pour assister à cette réunion en présentiel, qui est tant souhaitée par tous. Dans ce contexte d'incertitude, nous ne pouvons pas mettre en péril la santé de tous et surtout peut-être se retrouver dans des situations d'annulation de dernière minute qui pourraient compromettre la bonne santé financière de notre société et les investissements dans la recherche pour les années futures. C'est donc après concertation avec l'ensemble des membres du bureau et les membres du comité d'organisation, nous avons pris la décision de maintenir le congrès de la SFD dans le calendrier prévu, mais sous un format, une nouvelle fois, virtuel. Nous ne partons pas dans les mêmes conditions que lors de la préparation de Bruxelles. En effet, nous allons profiter de notre expérience et surtout renforcer des éléments qui manquaient peut-être dans cette première version autour de l'interactivité. Nous allons aussi, à l'occasion de ce congrès, réaliser un certain nombre de nouveautés, notamment en termes d'ateliers, en termes de tables rondes, de paroles d'experts, dans des séquences qui n'étaient pas présentes dans les premières versions. Par ailleurs, nous allons effectuer le symposium de la francophonie qui avait été reporté. Et enfin, nous allons avoir un nouveau format avec le programme officiel de la SFD et en parallèle le programme de l'industrie et des prestataires suivant la nouvelle charte des partenariats entre SFD et l'industrie et prestataires. J'imagine que vous comprendrez cette décision. Il est donc bien attendu que vous puissiez manifester votre présence active de façon à faire en sorte que cette manifestation SFD Strasbourg 2021 soit un succès, un nouveau temps fort de notre société. Dans l'intervalle, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.